Excusez-moi. Bien bonjour à tous et à tous, et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne 100% Gaming, et aujourd'hui je vous retrouve sur une nouvelle vidéo sur la chronique du routier, épisode numéro 14. Tout d'abord, je voudrais, avant de partir sur les camions, on va partir sur le commentaire, l'un des commentaires qui m'a vraiment fait plaisir, et je tiens à dire quand même merci à cette personne qui m'a aidé. Donc moi en tout cas, ça m'a donné en plus de rajouter. Hop, je vais y aller tout de suite. Ah non, alors je l'avais comme ça. Alors, je réponds juste à un message de mon abonné. Donc le message de Alex620 qui me dit. Alors déjà, il n'a déjà mis une note. Donc je comprends pas, il y a encore des messages sur Facebook, mais qu'est-ce que c'est? What? What the fuck? Ah, excusez-moi, je suis un peu concentrée. Alors, de Alexis20, il nous met. Moi, je mettrais 17 sur 20 au jeu. Alors, il n'a pas marqué plus. Et pour la prochaine vidéo sur ETS2, tu devrais, par exemple, choisir des thèmes abordés durant ta vidéo. Comme l'actualité. Alors, l'actualité, faut que j'en trouve. Donc, ça, c'est, je crois, c'est prévu. Mais je vais essayer d'en parler quand même. Des infos, ou faire des débats, ou des trucs. Alors. C'est prévu, je ferai ça comme promis. Ma manette est débranchée. Oh, m'excusez, j'ai des messages sur Facebook. Moi, on entend ma manette. Alors. Donc on va faire. Hop. Alors, Forza Horizon, donc c'est quoi comme jeu? Alors, c'est un jeu de simulation que vous trouverez, je vous répète à peu près dans les mêmes choses. C'est un jeu de simulation où vous trouverez tout le temps un jeu de camion. Alors bien sûr, vous pouvez rajouter des modes. Dans les modes, vous trouverez des modes de map, des modes sur des camions et des modes aussi sur les bus. Ou bien sur les customisations des camions. Ou bien on peut faire un semi-remorque carrément bien deux fois plus performant, pardon. J'ai bugué, mais c'est ça. On va mettre quoi comme radio? Alors moi ce matin j'ai écouté France Info. Même si j'aime pas cette radio, il n'y a plus rien. Attends, je te démarre. Hop, hop, hop. Ou sinon. Ah, c'était France Bleu. Je dis pas de conneries. On va mettre RFM, RTL ou RTL. Peut-être RFM, est-ce que ça marche? Oh tiens. Non. Un petit dédié à Kélax, je vais faire ça. Ouais, non. En fait, je vais pas mettre de radio dans le camion parce que j'aime bien. Enfin, je parle, moi, j'aime bien quand. Que je m'entende. Voilà. Ah, bah, ils sont déjà partis travailler. Ah, d'accord, ok. Alors, donc, c'est un camion. Un MAN TGX XL, distance donc parcourue 180 km. Donc le carburant restant, il ne me reste plus que 2319 km de carburant. Alors c'est un camion, je suis assez déçu de chez MAN. Ce camion là devrait avoir des freins et j'en ai pas. Voilà. Non. Je suis assez déçu, hein, on va dire, au niveau du camion, je devrais dire. Oh, mais ma roue tourne tout seul. Ouais, ma roue tourne bien tout seul. Enfin, bref. Donc, on va y aller.
je me suis arrêté sur un parking parce que oui, bon, bah, je me suis vraiment pas fait pécho à la tête. Marche arrière. Ouais, je vais faire mon marche. Scania, ça passe. Non, ça passe pas, ça passe pas. J'ai vu qu'il est en marche arrière. Pou, pou, pou. Pom pom pom, boudum, boudum. Donc sur Euro Truck, je vais faire un petit tour là-bas, tiens. Si je passe. Je suis obligé quand même de faire tout un assaut quand même. Alors, je passe pas. Ah, des canons un peu plus réduits, je répète, hein. J'aurais pu vous faire l'entrée de. Je vous. Après, je vais parler à peu près du menu parce que je parle jamais du menu option. Donc le menu. Oula. Jesus. Tout le temps c'est dans ce jeu là, je sais pas pourquoi, mais ça m'énerve. Ralentisseur des échappements augmenté M. Ah ouais, d'accord, diminuer. Ah d'accord, ok, c'est zéro. Ouais, je m'en... Yeah.
moi, Euro Truck, je trouve que c'est bien maintenant, mais moi, ça me lasse. Donc là, je vous le dis clairement, ça me lasse. Parce que j'aimerais bien jouer si GTA 5. Ouais. Je partirais bien sur GTA 5. Alors, ceux qui sont GTA 5, non. J'allais dire une connerie, non. Je dis pas la connerie. Ah, je reste sur la bonne vitesse. Je reste à 64, c'est vers 65. Mais parce que moi, les vitesses. Ça fait deux fois plus réel quand vous diminuez la vitesse. Je sais pas comment, mais moi ça me, je trouve que ça me fait deux fois plus réel. Sur Euro Truck aussi, vous pouvez voir, donc je vous ferai ça après le mode option. Moi, ce que j'aimerais bien voir, bon, si c'est votre, hein, si vous utilisez plus votre G27, vous pouvez me le racheter, moi je le reprends. Parce qu'il m'en faudrait un. Je joue qu'à la manette, et ça se voit ici. J'appuie contre les gros. Ça se voit vraiment. Et ça se voit deux fois moins, ça fait deux fois plus rien. Alors, Galax me disait, je vais acheter un support pour mon G27. Ah, ouais. Ça me donne vraiment tellement envie de jouer à un G27. Non, oh, déjà que je c'est manier mon. Très très dangereux ce que j'ai fait. Alors j'ai pris un nœud, j'avais pris un autre virage et j'ai passé sur une station d'urgence. Bon, si vous voyez quelqu'un derrière moi, c'est pas moi, c'est des gens qui travaillent. Non, je n'ai pas fait d'accident, je crois que c'est pas. J'ai jamais fait d'accident. Hein. Alors, quand vais-je faire jamais d'accident? Oui, quand je suis. Oula, ça va pleuvoir. Oui, ça va pleuvoir. Alors, moi, je dirais. Bon, j'avais déjà donné la note, hein, 19 sur 20 hier sur en truc. Mais je vais vous dire un truc. Je regrette pas de donner cette note-là. C'est un très bon jeu donc de simulation. Ça apprend la conduite et ça ne m'apprend pas à dormir. Là, oui, là, je confirme, j'ai fait un accident. Bon là par contre on prenne, on est obligé, ça me fait peur, il me fait peur ce genre là. Il a vraiment pas de frein ce camion là. Sur ce jeu là, on peut avoir. Donc on peut avoir beaucoup de freins. Enfin, on peut avoir beaucoup de d'heures de jeu. Alors ça, ça va. Non, ce jeu là, ça demande vraiment beaucoup d'heures de jeu. Sans mentir, ça donne. Moi, ça m'a déjà pris de faire 4 ou 5 heures de jeu. Alors, en vrai, hein, en heure d'ici. Je me suis pris, il était 13 heures.
Je me suis pris, il était 13h, je me suis raté, donc 2h, il m'avait fait. Il m'avait fallu. En 12, j'ai fini à 14h30 parce que j'avais à 30 finir la mission qui durait au total, je sais plus quelle heure. Alors sur Eurotruck, je vais vous le dire après, mais là je peux pas parce que j'ai besoin de conduire, vous savez. Après, je vais vous détailler donc ce qu'il y a dans le camion, donc tout ce qui est dans le camion, les détails sur le camion, ce que j'en pense. Et après, on partira sur une histoire vraiment magnifique et ouais. À peu près comme Galax, hein, mais en mieux. Enfin, en mieux, je sais pas si c'est en mieux. Oh, putain, ça va pleuvoir. Je vais direct. Ça va chier. J'entends la pluie. Surtout, je vous conseille. Alors après, je vous ferai des tutos sur comment conduire un camion. Je vous rappelle qu'un camion, ça se conduit pas comme une voiture. Parce qu'il y en a qui croient ça, c'est des jouets. Non, non, c'est pas des jouets. Faut pas croire ça. Un camion. Donc, je vous rappelle qu'un camion, c'est fatal. Rendez-vous compte, vous faites un accident sur la route et là, votre camion, il a rien. Ouais, il y a juste devant de péter, la cabine de péter, le pare-choc de péter. Mais clairement, vous vous rendez pas compte. C'est que vous avez fait un accident. Donc vous avez créé un accident. Mais de plus, vous avez tué une personne. Oui, parce qu'un camion, je vous rappelle, ça peut tuer une personne. Imaginez-vous une famille qui part en vacances et qui sont tués à cause d'un chauffeur qui a fait l'abruti sur la route. Excusez-moi du terme, je suis mal utilisé. Bah, moi, c'est ce que j'ai vu un jour. J'ai vu un abruti qui passait à file allure sur une route. Il a voulu tourner à gauche. Pour doubler d'autres personnes, et la personne n'avait pas vu que le camion avait une voiture juste en face. La voiture, le camion est passé sur la voiture, le camion a crasé la voiture, la personne. Les deux personnes, bon, il y avait deux personnes, ça va, il n'y avait pas une femme non plus. Mais il y avait quand même. Il y avait quand même assez de personnes de mortes. Alors bien sûr, après, bon, parce qu'ils sont morts, oui, ils sont morts, obligés. Je peux pas trop vous en dire. Bon, moi j'étais bloqué sur l'autoroute au même moment. Mais bon, voilà. Alors moi je voudrais vous faire passer un petit message, pas méchant mais gentil. Je voudrais que tout ça cesse de faire ça. Je sais pas ce que vous ça vous sert de faire les fous sur la route, est-ce que ça vous sert de quelque chose, ça vous occupe peut-être, ça vous fait plaisir de voir quelqu'un peut-être crever. Ça me fait peur. De voir quelqu'un crever. Vous voir dans un lit d'hôpital peut-être paralysé. Rendez-vous compte, peut-être plus pire qu'une moto. Imaginez-vous votre mère au bord d'une voiture et vous la tuez. Et ben là, je vous dis pas, ça va être la même chose. Bon, vous risquez quelque chose, vous risquez la prison, peut-être une amende, je sais pas, moi ça m'arrivera. Alors ça m'arrivera peut-être jamais, j'espère pas pour moi. Parce que bon, si ça m'arrive, on va dire quand même que j'aurais fait le gros bourrin sur YouTube et je me serais toujours dit de faire le gentil petit canard et voilà. Non, moi je voudrais que tout ça. Oh putain, ça rame, sa mère. Oh putain, allez, à moi. Je voudrais vraiment que tout ça cesse. Non. Ah putain, ça rame. Ça, j'aime pas, je conduis. Ça rame. Ouais, tu cherches pas, hein? Merde. Ah oui, tu marches. Comme par hasard. Vas-y, tourne, ça me fait chier. Allez, ma manette de pas marcher, ça me saute tout le temps. Non, mais clairement, moi.
Alors après, je vais redémarrer directement le jeu. Je vais finir la mission d'abord. Ça rame, faut pas que ça sorte, ça s'appelle genre. Faut que ça rame, faut que ça rame, faut que ça rame, faut que ça. Ça m'énerve. Oh, j'ai même pas touché, c'est bon, j'ai touché l'arrière. Alors moi j'ai des gens, j'ai des copains hein, quand même. Bon, je vous raconte un peu ma vie, mais bon, je vais pas faire sur ce sujet là. Qui me dit, bah moi je vais faire le fou sur la route. Et je lui dis, bah écoute mon garçon, si t'y arrives, je suis fier de toi. Si t'es pas mort avant que je te retrouve vivant, on sait jamais hein. S'il est mort avant qu'il nous envoie, hein. Je sais pas. Moi je lui ai dit, moi ça m'arrivera jamais, je pourrai jamais faire ça. J'ai pas de perdre ma vie juste parce que voilà, ma vie a un défi de faire, et moi comme un débile je l'ai suivi. Voilà, fallait pas. Alors je vais juste redémarrer le jeu parce que là j'ai du mal à jouer. Excuse-moi, j'ai pas un message. Je vais redémarrer le jeu. Hop, hop, hop. Moi, c'est bon. Alors, je vais redémarrer le jeu, ce que je ramène. Enfin, moi, je sais pas ce que ça vous fait de voir quelqu'un mourir. Moi, ça me fait du mal quand même de savoir qu'une personne est quand même morte au bord de la route, quand même. Ouais, non. Surtout, il y a un truc qu'il faudrait que vous sachiez. C'est jouer à ce jeu-là, mais jouer au calme. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de faire le fou sur la route. Je me suis dit, imagine si c'était toi en vrai, qu'est-ce que tu ferais, mon gars? Je serais pas en train d'assumer. Voilà, je serais en train de pleurer parce que j'ai fait une connerie et je voudrais pas l'assumer. Et bah. Alors. Alors, j'aimerais bien vous parler de son statut, putain. Alors moi, je peux pas faire comme Galax, hein, le canon des abonnés. Je vais aller sur son garage. Je vais surtout me faire ça. Hop. Et voilà.
Donc, on se retrouve donc pour le camion découvert. C'est donc Aman Tuné en rouge. Là, sur le toit, nous avons des néons. Très très mignon. Je tiens à dire. Sur le pare-choc, nous avons deux lumières en dessous des LED. Donc, des. Je sais pas si c'est mon téléphone qui a fonctionné, je sais pas pourquoi. Il y a une moto, on ne pas. Il y a une voiture qui est en train de démarrer. Voilà. Ça m'a fait rire. Vous avez des néons, donc des très beaux néons. Alors, les lampes, ils n'ont pas pu être changées. Vous avez la. Le côté. Du côté de gauche au côté droit, une petite barre vraiment magnifique. Voilà, au niveau de l'intérieur, vous avez un très beau présentoir, je peux dire comme ça, vraiment bien fait. Alors, je vais éteindre la lumière parce que je reste après. Vous avez un très beau volant, un très beau intérieur, une couchette, et puis voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse sur cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez la vidéo si vous l'avez aimée, abonnez-vous, à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.